Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, vous l'avez vu dans le titre, pour un nouveau tirage à choix aujourd'hui. La Saint-Valentin arrive, donc je me suis dit qu'on allait aller discuter un petit peu avec ce cher Monsieur Valentin et puis tout simplement lui demander ce dont on a envie ou besoin pour s'épanouir dans notre vie. Donc je ne sais pas ce que les messages vont nous réserver. Peut-être que ce sera tout simplement une petite motivation pour vous autoriser à vous dire si les choses vont bien, j'ai envie de profiter de cette énergie-là, de romantisme, etc., etc. Et si vous êtes dans quelque chose d'un petit peu plus en colère, etc., ou c'est pas super épanouissant, sur quoi est-ce que l'on peut aussi mettre l'accent pour essayer de plutôt prendre ces énergies qui arrivent pour tenter, ma foi, d'aller mieux. Des fois, c'est simplement dans notre état d'esprit que ça se joue et que, en tout cas, ça peut nous permettre de vivre les choses de façon plus agréable ou constructive. Donc, j'espère qu'on va avoir des messages agréables. Et puis comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, vous gardez bien à l'esprit que même s'il y a trois choix, ces tirages-là restent généraux. Si vous voulez faire ce tirage-là pour vous personnellement, vous pouvez tout à fait m'envoyer un mail pour commander votre tirage à vous pour la Saint-Valentin ou pour vous adresser à cette énergie, parce que Saint-Valentin va en fait représenter cette énergie de qu'est-ce qui arrive à nous dans notre vie amoureuse, mais c'est aussi qu'est-ce que l'on attire, sur quoi est-ce que l'on se branche par rapport à cette partie-là de nous, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de faire l'expérience à un point de vue plus personnel. Je vous ferai ce tirage-là avec plaisir. Bon, je vous ai laissé l'image avec donc les trois possibilités de choix. Comme d'habitude, allez vers celui qui vous appelle, vers l'image qui vous attire le plus instinctivement et pas forcément mentalement. Ça sera toujours un bon exercice d'intuition, hein, vous en avez l'habitude. Si vous connaissez la chaîne, si vous la découvrez, soyez la bienvenue. Je vous remercie pour tous ceux qui prendront le temps de liker la vidéo, de la commenter. D'ailleurs, sur les dernières, il y a eu plus de likes, donc je vous remercie beaucoup. Voilà, ça me fait très plaisir. Donc merci encore pour tous ceux qui continueront à jouer le jeu. Voilà, et puis ma foi, je vous retrouve maintenant avec le choix 1, 2 ou 3, selon ce que vous avez choisi, et on va passer à l'interprétation. Alors, si vous avez choisi cette carte-là, je vais commencer par vous révéler le message. On vous dit abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. Ok, donc la première chose qu'on peut dire, c'est que vous avez très certainement besoin que Monsieur Saint-Valentin vous permette de trouver quelque chose qui vous aide à arrêter de ressasser le passé. Donc si vous n'arrivez pas peut-être soit à faire une nouvelle rencontre, soit à être pleinement dans votre présent amoureux parce que vous avez des questions en suspens qui sont liées à des relations qui sont, on va dire, physiquement et matériellement passé, terminé, mais que vous, à l'intérieur de vous, vous vous dites encore que c'est pas fini, qu'il restait quelque chose à vivre, ou que ça n'aurait pas dû se finir comme ça, et que ça vous empêche d'être pleinement dans votre présent, bien ce message vous dit que vous avez tout à fait maintenant le droit de poser cette intention et d'avoir cette demande qui est celle de dire « je ne veux plus être hantée ». Parce que le passé, il est révolu, il est derrière. Donc, si à un moment donné, les choses doivent refaire partie de mon actualité, je serai là pour le vivre. Mais même pour ça, même si je dois revivre des choses qui appartiennent en fait à hier, si les choses doivent être reprises là où elles ont été laissées, il faut que je puisse être dans mon présent. Parce que même une relation... Ça existe, hein, voilà, les relations, des fois, il y a des histoires comme ça qui commencent, je sais pas moi, à 18 ans, et puis on les retrouve à 40 ans, peu importe. Mais pour pouvoir les vivre à 40 ans, il faut avoir fait le cheminement et il faut avoir lâché prise sur l'ancienne étape. Donc, que ce soit avec une autre personne ou avec une personne du passé, pour pouvoir vivre vraiment, vous avez besoin de trouver quelle est la solution pour accepter que cette étape de votre vie, elle est finie. Mais pas dans une idée de vous imposer ça, de dire il faut le faire, etc. Vraiment dans une intention beaucoup plus libératrice. On va voir évidemment ce que vous avez avec le reste de votre tirage. Donc on va
continuer dans notre lignée et on va voir un petit peu plus précisément qu'est-ce qu'il est temps que vous demandiez. C'est le chat qui est parti. Ok, c'est intéressant. Vous avez la carte de la permission. Alors, j'ai juste besoin de me dire oui pour que l'amour frappe à ma porte. Eh bien, c'est ça. Quelque part, on peut avoir très envie de s'épanouir dans sa vie amoureuse, mais à l'intérieur de soi, se dire non. Ce que je suis en train de vivre, je ne peux pas y aller pleinement parce qu'il y a quelque chose d'avant qui n'est pas réglé. Donc, je n'arrive pas à m'autoriser ou je ne me sens pas OK finalement pour qu'il se passe quelque chose de beau et d'heureux et de satisfaisant dans ma vie à l'heure actuelle, parce que ben, j'ai toujours ces questionnements sur le passé. Et donc, inconsciemment, eh bien, je cherche encore à ce que la vie me donne les réponses dont j'ai besoin pour pouvoir clôturer mon passé, parce que j'ai la sensation que c'est ça, le jour où j'arriverai à me dire « Ok, j'ai tout compris, j'ai toutes les explications à pourquoi les choses se sont passées de cette manière-là », j'ai l'impression que c'est cette chose-là qui me permettra de recommencer à véritablement être à 100% dans mon présent. Et donc, ben, ce que vous demandez, c'est à pouvoir vivre, que ce soit un déclic intérieur ou que ce soit un événement qui va vous permettre de sentir que vous êtes dans cette permission-là, que c'est ok, vous pouvez y aller. Vous avez besoin d'être rassuré quant au fait que vous avez le droit de vous épanouir. Souvent, quand on a une sensation de choses qui ne se sont pas terminées comme elles auraient dû, soit parce qu'on n'a pas pu les vivre, soit parce qu'il y a eu une injustice, eh bien, on a la sensation que s'il y a eu ça sur notre chemin, c'est qu'on devait passer par ce truc frustrant, douloureux, etc. Et il y a une partie de nous qui se dit « Ok, donc moi, mon destin amoureux, finalement, il est dramatique. Et si c'est dramatique, ben, je ne peux pas m'autoriser en même temps, être autorisée en même temps à vivre quelque chose d'heureux. C'est ou l'un ou l'autre. » Et en fait, on vous demande de... Enfin, on vous propose de dire « Ok, non, ça suffit, on peut avoir sur son chemin des choses voilà, qui vont être plus dignes d'un film à l'eau de rose qui finit mal, mais ne pas avoir envie, en fait, de rester l'héroïne ou le héros de ce film-là et passer à quelque chose de mieux. » Et vous avez une deuxième carte qui est celle de l'audace. « Il suffit parfois de réveiller des élans figés pour rencontrer l'amour. » Bon ben voilà, tout va dans le même sens. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est cette énergie de choses qui sont figées. Donc, ça veut dire que pour certains, c'est à cause de ce passé douloureux, dans le sens où il vous manque une partie des réponses, il vous manque une explication au pourquoi. Et pour d'autres, ça peut être aussi voilà, à cause tout simplement de cette idée de... J'ai pas l'élan, voilà, dans ma vie actuelle, que j'ai quelqu'un à mes côtés ou non, j'ai pas cet élan parce que voilà, j'ai un petit peu trop cette appréhension de faire le mauvais choix, m'investir dans la mauvaise relation, ou m'investir et que demain ça n'aille plus, etc. Et il est temps de vous autoriser à dépasser ça et être beaucoup plus dans la spontanéité. Voilà pour moi ce que vous avez déjà avec cette partie-là. Ok, on va voir maintenant ce que vous avez avec le tarot. Ben, vous avez une carte qui saute tout de suite. Ben, voilà. Vous avez l'énergie de la reine de deniers. Donc oui, en fait, vous êtes tout à fait en droit de demander à avoir ce qu'il faut dans votre vie. Encore une fois, ça peut être dans votre mental ou dans les événements pour pouvoir gérer de façon constructive votre vie amoureuse. Et l'idée, c'est de réussir en fait à... Vous intéressez en fait à ce qui peut réellement s'épanouir dans votre vie aujourd'hui et non pas aux rêveries, aux regrets, aux « et si », etc., etc. Voilà. Donc moi je dirais que en fait là, vous êtes en train de demander à pouvoir vivre quelque chose qui vous vraiment vous légitimise, vous sentez vraiment légitime à avoir le droit de vivre un présent qui est suffisamment intéressant pour que vous n'ayez plus envie de rêver d'autres choses dans votre vie amoureuse. Moi, je dirais que c'est ça. Je dirais que là, vous dites à Cupidon, t'es bien mignon, hein, voilà. Mais maintenant, tu me donnes quelque chose qui est suffisamment palpitant pour moi, positivement, et pas dramatiquement. Pour moi, c'est ça qui ressort ici. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez ensuite?
Ouais, c'est ça. Vous avez l'énergie du 3 de bâton associée à l'énergie du valet d'épée. Donc, on sent que, en fait, ce qu'il faut que vous réalisiez, c'est que l'expérience d'être dans l'attente, d'observer, d'essayer de comprendre, etc., votre vie amoureuse, donc de l'analyser quelque part, ça a assez duré. Vous avez déjà fait le tour de la question, vous savez déjà qu'est-ce que l'on vit dans sa vie sentimentale, comment on est épanoui ou pas, quand on est dans cette attente, quand on est vraiment consacré à rêver, à rêver, fantasmer, être hanté par des choses. Eh bien, vous savez jusqu'à quel point ça peut vous permettre, voilà, d'aller rêver à votre idéal. Vous pouvez revivre votre histoire, ce que ça peut vous faire ressentir. Vous le savez. Mais vous savez aussi aujourd'hui quelle est la limite de tout ça. À quel moment, eh ben, c'est pas ça qui fait votre vie concrète. C'est pas ça qui fait les sensations que vous vivez réellement, les échanges que vous avez pour de bon. Et donc, il est temps. Il est vraiment temps parce que vous êtes complètement légitime à vous dire à vous-même, c'est bon, j'ai attendu assez longtemps, j'ai laissé un laps de temps suffisamment grand pour pouvoir m'autoriser à passer à autre chose. Ça, c'est peut-être votre partie du travail à vous, c'est ce que vous avez besoin de venir cultiver à l'intérieur de vous. Et si vous sentez que vous vous dites oui, c'est logique, mais quand même, il y a une partie de moi qui n'est pas tout à fait sûre, etc., ben c'est là-dessus que vous avez besoin d'aller creuser un petit peu. Ensuite, vous avez une très jolie carte puisque vous avez l'énergie du soleil. Donc ça, c'est plutôt bien parce que la réponse que vous avez face à cette demande, hein, finalement, de dire voilà, maintenant je veux quelque chose de bien, ben, le soleil, c'est quand même une carte qui nous parle de dire que oui, c'est ok, oui, ça peut vous arriver et oui, vous pouvez réellement vous consacrer à ce qui est visible, à ce qui est palpable, à ce qui est concrètement là dans votre vie. Donc si vous avez à l'heure actuelle, si vous êtes en relation, en couple, etc., eh bien ce que Cupidon vous dit, c'est un petit peu que bah, vous avez quelque chose à vivre et allez-y, vivez-le pleinement, allez chercher vos réponses. Est-ce que avec cette personne-là, vous vibrez? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez aimé? Est-ce que vous avez envie d'être là ou pas? La réponse, c'est ça, c'est de dire qu'il faut que vous commenciez par éclaircir et à être très, très au fait finalement de ce qui se passe dans votre vie à l'heure actuelle. Et si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes plutôt dans l'envie de pouvoir rencontrer quelqu'un, eh bien je dirais que cette carte-là, elle dit que à ce moment-là, ce dont vous avez besoin, c'est de vous autoriser à vous mettre en avant selon ce que vous avez envie de partager. Pour moi, cette carte-là, elle peut me parler, par exemple, d'une personne qui voudrait vivre une relation avec engagement, mais qui va attirer que des personnes qui veulent des choses sans lendemain. Ou d'une personne qui voudrait s'amuser, qui voudrait juste prendre du plaisir, mais qui va pas réussir à s'autoriser cette légèreté-là. Donc, la réponse, c'est que finalement, vous êtes déjà dans une situation qui vous permet d'éclaircir les choses. C'est comme si ce qu'on vous disait, c'est que à un moment donné, il faut que vous soyez très clair sur vos envies et vos intentions. Et c'est un peu « aide-toi, le ciel t'aidera ». Voilà, c'est un peu si vous agissez dans le sens de ce que vous voulez vivre, eh bien, ça pourra plus facilement arriver à vous. Alors, ça peut paraître, oui c'est évident, mais pas forcément. Des fois, on a envie de vivre voilà, une rencontre et puis en fait, sur notre chemin, c'est un moment d'introspection et à chaque fois qu'on va faire des rencontres, eh ben, l'autre sera pas disponible ou ça ne nous conviendra pas parce que à ce moment-là de notre cheminement, on a besoin d'aller à l'intérieur de nous. Là, avec l'énergie du soleil, vous êtes déjà dans une énergie où vous pouvez partager mais où vous avez besoin d'être à fond dans votre présent, dans vos sensations, dans ce que vous ressentez vraiment et dans ce que vous voulez et de l'admettre. Il faut arrêter d'avoir peur de la vérité. Même si, oui, c'est vrai, vous avez quand même une part de défi, hein, puisque pour certains et certaines, une part de la vérité, c'est il y a une partie de ma vie amoureuse qui reste dans le flou, où j'aurais aimé avoir des réponses plus claires, mais elles ne sont pas là. Sauf que maintenant, je choisis d'arrêter de passer ma vie à attendre ces réponses. Et souvent, c'est justement quand on arrête d'attendre les réponses
qu'elles peuvent venir. Encore une fois, ça peut être des événements ou ça peut être intérieurement, émotionnellement, quelque chose qui va bouger, qui va évoluer. Ok, donc là, ce qu'on vous dit, c'est d'être vraiment... ça saute tout de suite dans votre présent. Ok, vous avez l'énergie du diable. Oui, c'est ça. Vous avez vraiment besoin de vous réautoriser le plaisir. Le mot autorisation ressort beaucoup. Et si on devait vraiment faire un tirage en imaginant que c'est Saint-Valentin, cette énergie-là qui vous parle, je pense que ce qui viendrait vous dire, c'est que en fait, vous avez déjà le droit de vous amuser, de prendre du plaisir, de vous investir, de mettre cette espèce de... J'ai l'impression que ce que vous cherchez, c'est des sensations fortes. Voilà. Peut-être que c'est du piment, peut-être que c'est de l'intensité dans la façon dont les sentiments ou l'amour ou la tendresse sont partagés. Et en fait, là, ce qu'on vient vous dire, c'est « mais c'est déjà dispo ». La personne qui s'en empêche, c'est toi. C'est ça qu'on vous dit. Parce que tu regardes ailleurs, parce que tu prends du recul, parce que tu analyses tout, parce que tu te demandes ce que ça va donner, pourquoi ça s'est passé comme ci et comme ça, mais tu vis pas les choses et pas dans le présent. Vas-y. Voilà, c'est ça l'énergie du diable. Il y a, alors en plus, c'est intéressant parce que avec votre carte de permission, on parle quand même de s'autoriser quelque chose, de dire oui. Et ici, vous avez des personnages qui peuvent se libérer de leur chaîne, mais qui ne choisissent jusqu'à présent pas de le faire. Donc, demandez-vous qu'est-ce qui vous enferme. Dans quelle partie de vous, de vos souvenirs ou de vos fantasmes, vous êtes enfermé? Et comment faire pour ouvrir la porte et pour vous libérer? Entre l'énergie du soleil et l'énergie du diable, ici on a quand même beaucoup de séduction, beaucoup de sensualité, beaucoup de plaisir, beaucoup d'amusement qui ressort dans ce tirage-là. Et en fait, c'est à vous, de toute façon c'est ce que vous aviez avec cette carte-là, c'est à vous de lâcher prise, c'est à vous d'oser raviver, j'ai envie de dire, l'énergie de séduction dans votre vie. Encore une fois, hein, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, vous voulez que ça vibre, vous voulez que ce soit plus intense en fait, hein, tout simplement, et vous attendez. Donc c'est un petit peu contradictoire. Soyez dans le mouvement. Alors oui, dans le pire du pire des cas, vous allez être force de proposition et en face, ça ne va pas répondre. Mais c'est peut-être ce qui va vous aider à rester accroché à une relation qui devrait faire partie du passé. Ou peut-être que ça ne va pas se passer tout de suite de façon super géniale, mais que ça va mettre en lumière... ça va mettre en lumière... Pardon, c'est celle-là. Et faire ressortir ce qui est problématique, où est-ce qu'il y a une gêne, où est-ce qu'il y a un non-dit, etc. Et ça va permettre de crever l'abcès pour peut-être ensuite pouvoir se retrouver, se rassembler, se ressentir attiré. Et dans le meilleur des cas, tout est au vert, il y a juste vous qui n'arriviez pas à vous autoriser les choses parce que dans le passé, ça n'a pas toujours fonctionné comme vous le vouliez. Et on a maintenant besoin que vous soyez investi. Voilà, dans votre relation. Pour moi, c'est ça qui se joue ici. Okay. Je pense que chez vous, il y a vraiment soit une colère liée à « c'est pas juste, la vie me doit une explication, je ne suis pas d'accord pour arrêter de l'attendre » qui est à lâcher. Soit, pour certains d'entre vous, il y a une idée de « j'ai peur de mes désirs, j'ai peur... » de suivre mes élans, de faire ce dont j'ai envie, parce que je ne sais pas si ça serait bien sage. Des fois, la sagesse, c'est pas de faire ce qui est le plus calme, prude, poli. Voilà. Des fois, la sagesse, c'est de savoir accepter sa partie plus spontanée, tout simplement. Ok. Bon ben c'est ça, vous avez l'énergie de la justice, donc je pense que ce tirage s'adresse quand même majoritairement à des personnes qui, voilà, clairement, vous allez voir Saint-Valentin en lui disant « Pourquoi dans le passé tu m'as décoché une flèche qui était quand même assez intense et qui m'a ensuite laissé sur ma faim ?» Parce que à cause de toi et à cause de ce vécu-là, et ben moi maintenant j'ai du mal à suivre mes élans, j'ai du mal à croire en mon droit à m'éclater dans ma vie amoureuse en fait. Donc pourquoi est-ce que tu as fait ça? Eh bien en fait, la réponse que vous avez, c'est peut-être que ce vécu-là, oui, il a été douloureux, mais
Et des fois, c'est le karma qui joue. Voilà, je ne vais pas pouvoir dans ce tirage-là vous dire pour chacun d'entre vous exactement pourquoi vous avez vécu ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez vous dire que même si vous ne la connaissez pas, il y avait une raison aux choses. Peut-être que cette raison, c'était le karma. Peut-être que cette raison, c'était que cette rencontre-là, elle était là pour que vous goûtiez à une certaine forme d'intensité et que ensuite, vous choisissiez que ça vaut le coup de vivre sa vie amoureuse pleinement et pas à moitié. Peut-être que cette expérience-là, elle pouvait vous permettre de sortir d'une certaine forme de tiédeur, d'être quelqu'un ensuite qui allait choisir de vivre les choses pleinement plutôt que dans la retenue. Voilà, il peut y avoir plein de raisons aux choses. Mais cherchez la vôtre. Cherchez la vôtre, rétablissez la justice. Vraiment, c'est l'expérience que vous faites avec ce que vous vivez à l'heure actuelle. Cette idée de savoir, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je partage ou non, est-ce que je donne de mon temps, de mon amour ou pas, est-ce que je m'investis ou est-ce que je m'investis pas, est-ce que je suis vraiment pleinement dedans ou pas. Toutes ces questions-là, finalement, qu'est-ce que vous cherchez derrière? Vous cherchez qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Mais si vous le faites à partir d'une sensation de colère, de l'ordre de les choses n'auraient pas dû se passer comme ça, j'estime que c'est normal, donc je réclame réparation. Et tant que ça n'est pas le cas, eh ben je reste dans mon côté dramatique pour que la vie voie ou pour que les autres voient à quel point j'en souffre, à quel point je suis empêchée de m'épanouir. Ça ne vous aide pas. La justice ici, elle vous invite à chercher à trouver votre équilibre à l'heure actuelle dans votre vie amoureuse, à chercher ce qui pour vous est épanouissant et à faire du coup ce qui est juste. Si par exemple vous avez quelqu'un aujourd'hui qui est présent, en qui vous pouvez avoir confiance, c'est pas très juste de ne pas lui accorder votre confiance parce que dans le passé, quelqu'un n'a pas mérité que vous fassiez confiance. Si vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui vous aime énormément, que vous sentez cette intensité mais que vous ne la ressentez pas, c'est pas juste de faire semblant qu'elle y soit. Soit vous cherchez à la faire grandir en vous, soit vous rendez la liberté à l'autre. Et cette idée de vous faire ce qui est juste est ce qui va vous libérer, est ce qui va vous amener à quelque chose de lumineux. Et donc pour moi, vous pouvez vivre un choix qui vous permet d'être dans ce qui est juste, d'être dans quelque chose de très clair. Et j'ai l'impression que c'est cette idée de dépasser le fait d'être dans une façon de gérer votre vie amoureuse où vous êtes en réaction, en j'exige ça et je suis pas d'accord et nanani et nanana. Le fait de lâcher ça, eh bien on dirait que c'est ce qui va vous permettre d'atteindre une vie amoureuse équilibrée et satisfaisante. Donc vous avez peut-être bien des choses à y gagner, je pense. Allez, donc je vous rappelle que si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Ça peut être pour la vie sentimentale ou pour autre chose, bien évidemment. Alors, il y en a un petit peu trop de cartes. Donc, on va regarder à quel cycle de votre vie amoureuse vous êtes, à quelle étape vous en êtes. Oh. Vous avez la carte du nouveau départ. C'est intéressant parce que vous voyez, nouveau départ, c'est quoi? Ben, c'est ce qui vient après la fin de quelque chose. Donc c'est plutôt positif parce que pour moi, ce tirage, il est en train de dire que le cadeau finalement que vous pouvez demander et recevoir, c'est l'autorisation à réellement passer à la suite. Voilà, il est temps pour vous de franchir une nouvelle étape dans votre vie amoureuse. Pour certains, c'est sortir de quelque chose de lourd, de pesant qui vous hante et du fait d'être que dans le fantasme et de ne pas vivre les choses pleinement. Donc de pouvoir vivre des choses un peu plus concrètes. Et pour d'autres, c'est le moment de passer à une étape supérieure dans votre vie amoureuse, c'est-à-dire qu'on ne va plus se contenter d'en être là où on en est. On va essayer de mettre plus de vie, plus de joie, plus d'intensité dans la relation ou dans la vie relationnelle. Donc ma foi, c'est plutôt chouette, c'est plutôt un beau tirage que vous avez là, même si il est clair que pour certains d'entre vous, c'est un véritable défi. Alors, en carte conseil,
développer de nouveaux accords fondés sur le respect et l'amour. C'est ce que je vous disais. Il y a peut-être des relations, en fait, dans tous les cas, dans votre vie amoureuse, il y a un abcès qui a besoin d'être crevé. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas exprimé clairement, qui a besoin d'être géré correctement. Soit par une meilleure communication, soit par le fait d'accepter que finalement, même avoir la réponse ne changerait pas votre présent et qu'il faut y revenir. Et donc, vous allez passer à de nouveaux accords. On vous dit, assumez la responsabilité de développer de nouveaux accords avec les personnes que vous aimez. Si un accord ne fonctionne plus, modifiez-le ou créez-en un nouveau. Faites preuve d'imagination pour explorer de nouvelles possibilités. Voilà. Vous pouvez très bien décider qu'avec cette personne du passé qui vous hante, vous posez un nouvel accord qui est celui de dire « Tu sais quoi, si un jour on doit se retrouver, eh ben, la vie fera que, on se retrouvera. Et en attendant, je vis mon présent. Parce que si je t'attends toute ma vie et que tu viens jamais, ça serait un petit peu dommage. » Voilà. De la même manière, si c'est dans votre relation actuelle que les choses se jouent, les nouveaux accords pour moi sont en lien avec l'idée d'être moins timide et d'oser partager un petit peu plus de votre côté sensuel, animal, fantasmagorique, etc. Il y a quelque chose avec l'idée de remettre du piment dans la relation et d'être moins prude qui ressort à ce moment-là. Donc dans tous les cas, ce qui va vous réunir si vous avez choisi ce tirage-là, c'est de vous autoriser à avoir des nouvelles conventions dans votre vie amoureuse qui ont pour vraiment but plus de plaisir. Donc c'est plutôt pas mal et moins de frustration. Voilà ce que je pouvais vous dire. Si vous avez fait ce choix-là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce tirage vous parle, à liker la vidéo, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage-là et puis je vous dis à bientôt. On est parti si vous avez fait le choix numéro 2 avec cette carte-là. Alors, je commence par vous lire le message. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Ok, bon, vous avez un message un petit peu en mode donneur de leçons quelque part, mais en même temps, c'est un principe qui est quand même intéressant. Donc, je dirais que vous êtes peut-être là à un stade de votre vie amoureuse où vous avez vraiment envie de vous sentir aimé, accepté, accueilli tel que vous êtes. Vous avez envie qu'on vous dise que, ben voilà, c'est ok, ce que vous êtes, ça va, c'est aimable. Alors, je dirais que dans un premier temps, la personne dont vous devez exiger ça, ben c'est vous-même. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un qui va, je sais pas, peut-être vous critiquer ou peut-être même qui va vous apprécier mais qui ne va pas vous mettre en valeur avec exactement les mots que vous auriez choisis, le type d'attention que vous préférez, etc. Ça va toujours vous faire plus douter de vous, vous frustrer, vous mettre en colère, toujours plus si vous-même, vous ne comptez que sur l'autre pour vous mettre en valeur. Si vous, vous êtes dans l'acceptation de vous et que vous n'avez pas finalement cette exigence que l'autre vous donne confiance en vous, vous fasse vous sentir bien, etc., ça sera toujours plus simple. De la même manière, quand vous vivez avec une autre personne ou quand vous êtes en relation, hein, tout simplement avec une autre personne, si vous avez toujours ce besoin de lui demander de changer ce qu'elle est, ce qu'elle fait, comment elle pense, etc., etc., ben on n'est pas dans une relation d'accueil ni de soi-même ni de l'autre. On est dans une relation de contrôle. Et donc, ça ne peut pas être épanouissant. Donc, je dirais qu'il y a certains et certaines d'entre vous qui sont un petit peu trop dans un schéma où voilà, on n'est pas dans l'acceptation de soi. Et peut-être que ce que vous avez besoin de demander, c'est pour certains à vous rappeler de ce que vous aimez chez l'autre, à vous rappeler aussi qu'il y a plein de choses à aimer chez vous pour revenir dans une relation où on va choisir hein, clairement de cultiver ce qu'il y a de plus positif et de plus constructif. Et pour les personnes qui sont dans des relations où il n'y a que de la critique gratuite, ben là ce que vous demandez c'est à trouver la force, l'énergie, la façon de vous porter vous-même qui va vous permettre de passer à autre chose. Pour les personnes qui sont célibataires et qui vivraient une envie de pouvoir vivre des choses heureuses et positives, là on va vraiment se concentrer sur la partie
où ce que vous demandez, c'est à réussir à vous voir vous-même comme quelqu'un qui est ok, quelqu'un qu'on peut aimer tel que vous êtes. Parce que peut-être que vous vous mettez trop de pression ou que vous vous comparez trop à d'autres, à des versions de vous que vous imaginez, que vous idéalisez. Peut-être aussi que vous avez des prérogatives en matière de relations et de séduction où vous vous dites il faut être comme ci, il faut être comme ça, moi ce que je suis c'est pas assez bien, etc. Et il faut se libérer de tout ça. Donc je dirais que en fait ce que vous demandez là à Cupidon, c'est à ce qu'il vous montre et à ce qu'il vous apprenne comment est-ce que vous pouvez faire dans votre vie amoureuse pour vous lâcher un petit peu la grappe, pour pouvoir vous dire il n'y a pas à être comme ci ou comme ça, il n'y a pas d'interdiction d'être ainsi ou comme ça. On a tous le droit d'être aimé tel que l'on est, mais j'ai envie de dire, on peut tous trouver les personnes qui vont nous apprécier tel que l'on est. C'est surtout ça, et qui vont nous aimer pour ce que l'on est et non pas malgré. Voilà, donc c'est dans cette énergie-là que ça vient se mettre en place. Ok, on va regarder ce que vous avez avec le reste du tirage. On parle quand même ici de transformation, de relations, de transformation d'échanges. C'est assez logique. Hein. À partir du moment où on met une nouvelle énergie dans une relation, forcément, ça va mieux. La seule chose que je dirais, c'est qu'il faut rester honnête. Pour moi, là, ce tirage s'adresse donc à des personnes qui ont, comme je vous l'ai expliqué, hein, cette difficulté à se croire aimable ou cette sensation que s'aimer, c'est se faire des sacrifices et des efforts pour changer pour l'autre. Et c'est quelque chose qu'il faut lâcher, ça c'est clair. Mais ça nous parle aussi quand même d'être dans une situation où le fait de choisir de porter votre attention sur autre chose, de mettre en avant quelque chose de plus constructif, plus positif, plus agréable dans votre relation, ça va aider. Donc c'est, vous êtes dans une situation où vous pouvez faire quelque chose pour améliorer. Si par exemple vous êtes célibataire et qu'à chaque fois qu'on vient vous dire, je sais pas moi, les personnes qui viennent vers vous vont venir pour la même chose, si vous êtes sur la défensive en disant « ah bah évidemment c'est ça que tu vends en premier », terrible. Si vous vous dites oui, ça ok, j'ai l'habitude, c'est comme ça que je plais, mais j'aimerais qu'on voit autre chose, donc je vais le mettre en avant, parce que j'ai besoin de savoir si cette autre partie de moi que j'ai envie de voir aimée et appréciée par la personne avec qui je partage ma vie, ben, j'ai envie de tester ça, j'ai envie de savoir si les gens que je rencontre, ça peut leur plaire, et ben, je vais le mettre en avant. Mais je vais être dans quelque chose de constructif. Pourtant, je n'ai pas changé mon objectif, mais je change ma façon de chercher à l'atteindre. Si vous êtes dans une relation où, finalement, vous êtes toujours en train de regarder ce qui ne va pas, ce que l'autre ne fait pas bien, elle laisse traîner ses chaussettes, elle est trop au téléphone, etc., etc., la personne en face de vous, elle a toujours ses bons côtés. C'est peut-être toujours quelqu'un qui vous écoute quand vous en avez besoin, c'est peut-être toujours quelqu'un qui, sur certaines choses, va vous apporter son soutien ou va le faire sans que vous ayez à demander. Mais si vous avez arrêté de donner de la valeur à tout ça, bah, au bout d'un moment, effectivement, on se perd de vue. Donc là, je dirais que vous avez besoin de recommencer à regarder avec des lunettes roses pour savoir... Quand vous mettez vos lunettes roses, est-ce qu'il y a assez à regarder ou pas? Est-ce qu'il y a assez de choses chouettes ou pas? Voilà. Bon, voilà. Il se peut, évidemment, on reste dans un tirage général, que pour certains d'entre vous, il y ait une... un désaccord profond à régler qui... Voilà, qui a mis une énergie un peu trop négative, un filtre trop négatif. Mais ça, ça dépendra de chacun. Donc ensuite, vous avez la carte de la joie. Et on vous dit, je possède en moi une joie si profonde que je peux être heureux ou heureuse dans un palais, tout comme dans une cabane. Donc vous avez quand même deux cartes qui nous parlent de réussir à vraiment changer votre regard, votre façon d'accueillir ce que vous vivez, d'être dans quelque chose de moins lourd, moins pénible. Peut-être que c'est vous qui avez besoin de retrouver cette joie et peut-être que vous êtes en train de dire à Cupidon « Moi, je veux bien aimer, mais je ne veux plus avoir à tirer l'autre vers le haut tout le temps. Je suis fatiguée de ça, je n'en ai plus envie. Donc, permets-moi, soit de par une évolution dans la relation, dans ma relation actuelle, soit par d'autres rencontres, d'avoir sur mon chemin et à mes côtés surtout des personnes qui cultivent du positif, des personnes qui m'aident
à aller ben, moi aussi vers le haut et qui tout au moins ne me tire pas vers le bas. Voilà, donc je pense que là, on est sur en fait demander à Cupidon d'arrêter d'être dans l'énergie de ben, la personne qui veut sauver l'autre, qui veut guérir l'autre, qui veut changer l'autre, qui veut lui dire comment faire, comment réagir, comment réfléchir. Et si vous êtes dans un schéma où c'est dans les deux sens, ben, cette demande elle est encore plus profonde et encore plus intense. Voilà, donc je dirais que ce qui se joue ici, c'est l'envie de pouvoir vivre une relation où on se convient tel que l'on est mutuellement et où on n'est plus toujours en train de se dire ça pourrait être bien si ça c'était différent. Donc il y a toute une partie d'acceptation de l'autre et comme il est, je suis comme je suis et c'est comme ça et on n'a pas à le reprocher. Et puis oui, je pense que ça peut être intéressant de se pencher sur cet archétype de pourquoi est-ce que vous voulez sauver l'autre, pourquoi est-ce que vous restez avec quelqu'un que vous voulez changer. Soit il n'y a pas d'amour, vous avez juste besoin de vous prouver que vous êtes capable de changer l'autre, à ce moment-là c'est pas la peine. Soit il y a de l'amour et vous vous dites c'était pas mon idéal donc je vais essayer de le formater et il faut apprendre à aimer de façon plus inconditionnelle. Voilà. Et je pense que cette peur d'être confronté à quelqu'un qui au début va être super chouette, etc., et qui ensuite va être décevant, ça vous, c'est quelque chose qui parle, que vous regardiez ce tirage, que vous soyez célibataire en couple, c'est la même problématique. Alors, on va voir ce qu'on a avec le tarot. Donc, en gros, vous demandez à Cupidon une relation avec quelqu'un qui vous irrite un peu moins, qui vous casse un peu moins les pieds, et avec quelqu'un qui... Je dirais que vous cherchez à pouvoir vivre avec quelqu'un qui va être pour vous un soutien, une ressource, un ou une partenaire qui serait et sera le bon dans les bons comme dans les mauvais moments, face aux choses agréables comme face aux choses plus problématiques. Oui, vous avez besoin, vous demandez à Cupidon le bon ou la bonne coéquipier ou coéquipière. Et c'est ça. Vous avez l'énergie du 4 de bâton. Ok. Alors ce 4 de bâton, il vient apporter une nuance, c'est-à-dire que ce que vous demandez, c'est une preuve. En fait, c'est ça. Vous demandez une preuve que vous pouvez être choisi. Vous demandez une preuve de l'envie de l'autre d'être avec vous. Oui, c'est ça. Ce que vous demandez à Cupidon, c'est est-ce qu'il vous prouve que c'est une réalité que vous pouvez être choisi et à aimer, apprécier tel que vous êtes, au point de vouloir vivre une relation avec vous, pas que au début, pas que dans la phase de séduction, mais de vouloir entretenir la flamme, entretenir l'amour, entretenir le positif. Donc pour moi, ce tirage, il s'adresse à des personnes qui s'ennuient dans leur vie sentimentale, ou à des personnes qui attendent qu'il se passe quelque chose qui va vous faire sentir véritablement choisi par l'autre. Je dirais que ce qui vous blesse et ce que vous en avez assez de vivre, c'est la sensation que l'autre hésite. Je ne sais pas trop si c'est la bonne ou pas, je ne sais pas trop si je vais être là ou pas. C'est ça qui vous pèse. C'est ça que vous avez envie de voir changer dans votre vie. Vous voulez pouvoir être dans une relation où vous êtes sûr que l'autre a envie d'être là à vos côtés. Et vous aussi, vous voulez être sûr de vouloir être avec l'autre. Alors je dirais que quand on pose cette question-là, il faut être prêt, prête, à accueillir la réponse oui c'est la bonne personne ou non c'est pas la bonne personne. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que vous ne voulez plus d'une relation où s'il y avait quelque chose de différent ça irait bien. Et pour l'instant ça va pas. Vous voulez que ce soit réglé ce truc qui est gênant et vous voulez des réponses et des engagements francs. Ok. Oui, c'est ça. Ce que vous demandez à Cupidon, c'est à être avec la personne qui est la bonne, peu importe ce qu'on a à vivre. Parce qu'on se convient tel qu'on est, parce qu'on n'est pas toujours en train de chercher à se changer. Et je pense aussi
que vous en avez peut-être un peu assez pour certains d'entre vous de jouer au chaud-froid. Un coup je t'aime, un coup je t'aime pas. Un coup je veux partir, un coup je veux rester. Ça, c'est quelque chose qui vous épuise et donc vous demandez à Cupidon, est-ce que ça, on pourrait arrêter de jouer à ça? Voilà. Alors, observez aussi, hein, est-ce que c'est que l'autre qui joue ou est-ce que vous aussi, vous jouez à ce jeu-là? Est-ce qu'il n'y a que l'autre qui n'arrive pas ni à être avec vous, ni à vous lâcher? Si vous êtes célibataire, est-ce qu'il n'y a que l'autre toujours qui vient vers vous, mais jamais complètement? Ou est-ce que vous aussi, vous avez ce genre d'attitude? Ok. Bon, alors ce qui est bien, c'est que vous avez ici l'énergie du 8 de coupe qui nous montre que maintenant vous êtes légitime à demander ça parce que vous avez très certainement déjà pris conscience que vous étiez dans ce genre de relation-là, que ce n'était pas épanouissant ni pour vous ni pour l'autre, que ce n'était pas quelque chose à cultiver et que ça n'était certainement pas ce après quoi il fallait courir. Et donc vous avez commencé à évoluer. Moi je dirais que vous êtes légitime, vous êtes prêt ou prête à faire ce choix-là, à avoir cette demande-là, à poser cette intention, parce que je dirais que vous n'avez pas encore forcément gravi la montagne, hein, voilà, vous n'avez pas encore été au bout d'un positionnement où ben, même si l'autre tire vers le bas, ben, moi je ne vais pas le faire parce que j'aspire à autre chose. Donc quand l'autre tire vers le bas, ben, moi je tire quand même vers le haut, mais pas pour le tirer lui. Pour moi, rester au niveau où j'ai envie d'être, quand l'autre est dans la critique gratuite, je ne le suis pas, je n'y vais pas, je ne rentre plus dans ce jeu-là. Pas pour être sympa avec l'autre, pour être sympa avec moi. Vous voyez, on en est un petit peu à ce stade-là où, ok, l'autre joue à ça. Si je me plains, si j'ai pas envie, moi, que ça fasse partie de ma vie, ben, il faut que j'arrête de dire oui à des propositions pour jouer à des jeux auxquels je n'ai pas envie de jouer. Et je ne le fais pas pour l'autre, je le fais pour ma liberté. Et je dirais que vous en êtes au stade où vous avez compris ça, où vous avez envie d'aller dans cette direction-là, mais il reste encore ce truc de « et pourquoi moi je ferai l'effort ? Et pourquoi moi je ferai attention ? Et pourquoi moi je ferai bien si l'autre ne le fait pas ?» Vous voyez, il reste encore ce truc de « ok, je veux bien avancer, mais je veux que l'autre avance aussi. » Mais là, on est encore dans cette idée de critiquer l'autre, de dire qu'il n'est pas assez bien, etc., etc. Alors que si vous, vous prenez un engagement sincère envers vous-même d'adopter une attitude qui vous convient, eh bien, en fait, vous allez devenir une source d'inspiration. Soit l'autre va être inspiré, va dire « elle a l'air quand même, oui, il a l'air quand même mieux depuis qu'il n'est plus dans le jeu de la critique, de « ça va pas », de « machin ». Ça a l'air quand même mieux, j'y vais. S'il est inspiré, il vous suivra. Et si l'autre adore jouer au jeu de la critique, être avec quelqu'un pour dénigrer, etc., si sur vous ça ne marche plus, ben la relation va s'étioler et se terminer d'elle-même. Donc la clé de votre libération, elle est là. Donc ce que vous demandez à Cupidon, c'est quelqu'un avec qui la vie est agréable. Et ben, vous êtes légitime à le faire parce que profondément c'est ce que vous souhaitez, mais vous avez encore peut-être pour certains ou certaines besoin de lâcher l'exigence que l'autre veuille la même chose que vous. Parce que ça montre une espèce de, comment dire, de contradiction entre je veux telle vie et j'exige que ce soit avec l'autre, qu'il puisse me le donner ou pas. Du coup, ça ne marche pas. Donc, lâchez vos exigences. Et c'est parce que vous avez réussi à dire que, oui, cette évolution-là, c'est la meilleure chose pour vous, qu'il est temps de passer à la prochaine étape. Ok. Vous avez l'énergie du 9 de denier. Donc, pour moi, ce qu'on vous répond face à votre demande, c'est que, de 1, c'est possible. De 2, vous avez les ressources en vous. Je dirais que pour certains d'entre vous, il est possible qu'à l'heure actuelle, vous vous disiez, c'est bien joli tout ça, moi, j'ai bien envie de vivre avec quelqu'un avec qui ça se passe vraiment bien, mais je suis dans une situation où je suis dépendante de la personne avec qui je suis actuellement, même si ça ne va pas. Ou je suis dans une situation où je ne peux pas me lancer dans une relation. Vous avez vraiment cette barrière de dire, il y a quand même l'aspect de la sécurité, de la vie matérielle, des engagements qu'on a pris, de ce qu'on a construit, de la famille, ou de « je peux pas me débrouiller seule financièrement », ou de « j'ai trop peur d'être seule ». Vous voyez, voilà, il y a comme ça des excuses un peu en lien avec la sécurité et avec ce côté très terre-à-terre de la vie,
où vous vous dites du coup je peux pas. Et en fait, la réponse de Cupidon, c'est de dire bah, si vous êtes enfermé dans une relation pesante ou dans une relation que vous, dans laquelle vous ne pouvez pas faire évoluer les choses, vous ne vous sentez pas libre de dire bon, écoute, si tu continues à me parler comme ça, je m'en vais, ou vous ne vous sentez pas à l'aise pour dire j'ai besoin d'autre chose que ça, parce que vous vous dites que l'autre est en position de force face à vous, eh bien, ce que vous devez faire, c'est vous occuper de ne plus laisser l'autre être en position de force, gagner en autonomie. Donc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Là, vous êtes prêt à avancer. Et en fait, ce que vous vivez à l'heure actuelle, pour certains d'entre vous, c'est pour que vous choisissiez votre autonomie. C'est pour que vous choisissiez votre liberté plutôt qu'une certaine forme de facilité. Peut-être que ça va être un chemin qui va vous emmener à une séparation, peut-être que ce chemin d'évolution va vous emmener à être regardé, vu différemment par l'autre. Quelqu'un qui va par exemple se recroqueviller en disant j'ai pas le choix, je suis emprisonné, je peux rien faire, va en général être plus embêté que quelqu'un qui va dire je vais faire ce qu'il faut pour me sentir légitime dans mon autonomie, dans mes choix, etc., etc. Donc la réponse de Cupidon, c'est que la clé pour aller vers un mieux-être où il y a moins de critiques réside dans le fait que la situation que vous vivez actuellement, d'ailleurs peut-être que l'autre vous critique, mais peut-être même pas. Ce qu'il y a, c'est que vous êtes sur la défensive parce qu'il y a quelque chose dans votre vie à l'heure actuelle que vous gérez, j'ai envie de dire, avec une solution pour que les choses fonctionnent, mais cette solution, elle n'est pas satisfaisante pour vous. Peut-être qu'elle vous fait culpabiliser, peut-être que ça vous pose un problème de conscience, peut-être que vous avez conscience que c'est pas la meilleure des solutions et que vous vous dites que le jour où vous arrivez à faire les choses comme il faut, vous savez pas trop ce qui va se passer dans cette relation. Donc je dirais que vous êtes tiraillé inconsciemment entre la peur d'obtenir... En fait, non, c'est pas tiraillé, c'est... Vous avez inconsciemment peur d'obtenir ce que vous voulez parce que vous vous dites que ça va avoir des conséquences, que ça va changer des choses dans votre vie. Et ce dont vous avez l'habitude, c'est de vivre une vie qui ne vous plaît pas, qui n'est pas satisfaisante. C'est de vivre une vie que vous pouvez critiquer, dans laquelle il y a des choses dont on peut se plaindre. Et il y a une partie de vous qui a un petit peu peur d'obtenir satisfaction. C'est-à-dire si demain, les barrières sont enlevées, les problèmes sont résolus, les choses sont dites, l'autonomie est trouvée, forcément ça va emmener des changements. Et vous avez un petit peu peur de la réussite, vous avez un petit peu peur d'avoir ce qu'il faut pour vous en sortir, pour aller bien. Pour certains, c'est pour aller bien financièrement. Pour d'autres, c'est pour dire si ça c'est réglé, la relation va bien. Mais j'ai peur parce que j'aurais plus de raison de dire que j'hésite à m'engager, etc., etc. Donc vous avez un petit peu peur de que les choses soient résolues. Et la clé pour vous, c'est d'arrêter de freiner des quatre fers pour améliorer quelque chose dans votre situation. Parce que ça vous amènerait à plus d'autonomie ou parce que ça donnerait des solutions qui vous obligeraient à aller vers un changement. Donc je dirais que vous vivez peut-être des situations où vous êtes facilement critiqué par l'autre, mais que en fait ça renvoie au fait que vous, à l'intérieur de vous, vous êtes vraiment partagé entre « j'ai envie de vivre une vie meilleure » et en même temps « je me reconnais et j'ai construit mon identité autour » de mes mécontentements. Donc, qu'est-ce que je choisis? Il faut que vous fassiez un choix concret. Ok. Vous avez ensuite l'énergie du 2 de coupe. Ben, c'est ça. Le 2 de coupe, ici, nous parle de vous ouvrir à rencontrer l'autre, à le connaître, à accepter ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et vous invite aussi à vous ouvrir, à vous découvrir vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui est satisfaisant pour vous? Et comment est-ce que vous avez envie de vous présenter à l'autre? Qu'est-ce que vous avez envie de permettre d'être partagé, en fait, quand on est avec vous? Voilà. Moi, je dirais que ce tirage-là, votre souhait de vivre une relation amoureuse qui serait beaucoup plus harmonieuse et... où on montrerait beaucoup plus de joie, d'enthousiasme à l'idée d'être ensemble, c'est complètement légitime. C'est quelque chose qu'il faut garder.
Je dirais que si vous êtes prêt ou prête à aller vers le fait de transformer votre relation ou de trouver la relation qui vous permettra de vivre ça, c'est parce que vous avez vraiment fait le tour de la question de ce que pouvait vous apporter le mécontentement, l'insatisfaction, le pessimisme, et vous avez envie de passer à autre chose. Mais il vous reste à affronter l'inconnu, en fait. Et il vous reste aussi à affronter la réussite, la liberté, l'autonomie, l'acceptation de mettre en place les solutions qui fonctionnent. Je dirais que vous reprochez peut-être à l'autre de ne pas faire d'efforts là où c'est pourtant facile de changer des choses. Par exemple, si l'autre a une habitude qui vous vexe, que vous lui avez dit 50 fois et qu'il continue, ben, en fait, vous allez lui reprocher de ne pas changer en disant « mais enfin, c'est quand même pas compliqué ce que je te demande. » Ben, allez chercher en vous quelle est la chose qui n'est peut-être pas compliqué à mettre en place pour votre mieux-être, mais que vous n'avez toujours pas commencé à utiliser, ou quelle est la chose où vous vous dites « je me fais un peu peur, c'est un peu un défi, mais je sais qu'en faisant ça, j'améliorerai ma vie. Bah, » pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Alors j'ai envie de dire, si vous savez pourquoi, c'est bien, c'est un plus, mais ce qui compte, c'est surtout de se mettre en chemin. Voilà. Et cette énergie-là doit vous permettre d'accepter de rencontrer avant tout une autre version de vous-même plus constructive pour pouvoir ensuite soit rencontrer quelqu'un qui va être dans ce même dynamisme-là plutôt que dans un dynamisme de sabotage, clairement, travailler sur votre saboteur ou saboteuse intérieure plutôt que de chercher à travailler sur le saboteur ou la saboteuse intérieure de l'autre. C'est un sujet qui mériterait d'être creusé, mais là, si je vais jusqu'au bout, j'en ai pour des heures. Donc, bon. Ok, vous avez ensuite l'énergie du cavalier de denier. Le cavalier de denier dans le tarot, c'est très intéressant parce que c'est, bah, c'est celui qui va nous mettre en sécurité. C'est celui avec qui on va se sentir à l'abri, on va se sentir protégé. Donc on va sentir qu'on est précieux ou précieuse, qu'on est important, que notre bien-être compte. Et c'est cette énergie-là que vous êtes en train d'expérimenter. Est-ce qu'à vos propres yeux déjà votre bien-être compte? Il serait temps que ce soit le cas. Est-ce que vous, vous voyez comme quelqu'un qui est précieux? Est-ce que vous, vous prenez soin de vous? Et est-ce que vous, ce que vous mettez dans vos relations aux autres, c'est bel et bien ce que vous voulez voir grandir, exister dans votre relation? Ou est-ce que parce que l'autre ne fait pas comme il faut, ben vous aussi vous ne faites pas comme il faut? Vous avez un immense pouvoir d'évolution qui vous appartient là, vraiment, n'hésitez pas à l'utiliser. Allez, on va voir ce que vous avez. Non, toujours pas. Ben voilà, un résultat gagnant-gagnant est en vue, ne laissez pas le passé vous retenir. Ok, donc c'est pas parce que jusqu'à présent les choses ont été gérées de façon pas constructive que ça doit continuer, et le fait d'être dans la rancœur, dans le reproche, dans le tu te rappelles il y a 10 ans tu m'as dit ça, ou oui mais hier tu m'as mal parlé, ça va pas vous aider. Choisissez de faire de la place et de venir planter dans votre vie ce que vous voulez voir arriver, et vous avez une belle carte puisqu'on vous dit que quand vous allez avancer vers ce mieux-être, le résultat sera gagnant des deux côtés. C'est-à-dire que dans tous les cas, des deux côtés, on va arrêter de se faire la guerre. Que ce soit pour arriver à être heureux et amoureux ensemble, ou que ce soit pour se laisser en paix et passer à autre chose, dans tous les cas, vous allez vers un mieux. Donc ça, c'est plutôt chouette. Je vais m'arrêter là parce que j'ai fait quand même un long tirage. Je vous remercie d'avoir suivi celui-ci. Merci à tous ceux qui prendront le temps de liker, commenter, partager la vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt. On est parti pour le tirage du choix numéro 3 avec cette carte-là. Donc, vous avez un joli message. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir
tout ce que ton cœur désire véritablement. Alors ça, si c'est pas un beau message, en tout cas c'est un message qui est rempli d'espoir et surtout de promesses de vivre des choses heureuses. Alors, on reste dans un tirage général de développement personnel. Je ne dis pas que parce que vous regardez ce tirage, tout va devenir merveilleux, mais quand même, on est sur une énergie positive, une énergie bénéfique. Alors ce qui m'intéresse, c'est le côté exprime ta gratitude pour les bénédictions qui arrivent et même pour celles qui sont présentes. Quand on a ce message-là par rapport aux relations amoureuses, c'est souvent que, en fait, ce dont on a besoin, c'est d'être moins dur vis-à-vis de nous-mêmes, d'être moins critique vis-à-vis de nous et de venir cultiver l'idée que, oui, en fait, on a le droit d'être confortable dans sa vie, on a le droit de vivre des choses épanouissantes, on est OK pour s'autoriser à avoir tout ça. Et au plus, on va aller dans cette croyance-là. Ça ne veut pas dire que tout va être merveilleux, mais ça veut dire qu'on va prendre soin de nous, on va faire des choses qui sont bénéfiques pour nous-mêmes et on va être plus à même de s'ouvrir à ce qu'il y a de positif si on arrive à l'apprécier et dans la reconnaissance que ça existe plutôt que dans la crainte de le perdre. Et donc c'est un petit peu ça, le premier message que vous avez avec cette carte-là. Donc moi je dirais que peut-être que ce que vous avez à demander à notre Saint-Valentin, eh bien c'est tout simplement de trouver en vous suffisamment de conviction profonde que oui, vous méritez des bonnes choses et peut-être que ce qu'il faut, c'est que vous arrêtiez de chercher une justification. Je mérite des bonnes choses parce que non, juste je mérite des choses positives parce que eh bien, j'existe et parce que comme tous les êtres humains, j'ai besoin eh bien, d'être aimé. Parce que comme tous les êtres humains, j'ai des défauts, mais j'ai aussi des bonnes choses en moi et c'est ok, c'est suffisant pour mériter d'être aimé. J'ai pas besoin d'être plus que ce que je suis déjà, c'est ok comme ça. Voilà, bon, on va voir ce que vous avez avec le reste du tirage. Mais je dirais que oui, ce que vous demandez, c'est à être rassuré quant au fait que voilà, votre vie va s'allumer, quant au fait que vous allez pouvoir être comblé, etc., etc., toutes ces choses positives. Vous avez la carte de l'engagement. En osant l'amour, nous prenons le risque de vivre un grand attachement. Voilà. Donc je dirais que vous avez peut-être envie, à l'heure actuelle, de pouvoir arrêter d'être dans une étape amoureuse, et peut-être que c'est quelque chose qui se rejoue, ou vous êtes toujours dans l'attente que ça devienne plus intense, que ça devienne vraiment, vous savez, envahissant dans le sens positif du terme. Voilà, vous n'avez peut-être plus envie de vivre des histoires qui sont jolies, mais où on se voit deux fois par semaine. Vous n'avez plus envie de vivre quelque chose où ça se passe bien, mais l'autre a peur d'aimer. Vous n'avez plus envie de tout ça. Vous voulez quelque chose de franc. En gros, quelque chose qui n'est plus dirigé par la peur de se tromper, d'être blessé, etc. Mais vivre quelque chose où on accepte de prendre le risque d'aimer profondément, d'aimer intensément, et où on ne voit plus l'idée de l'amour comme quelque chose dont il faut se protéger, mais comme quelque chose qui vaut plutôt le coup d'être vécu. Pour moi, c'est ça qui se passe, c'est que vous avez envie qu'on vous aime de cette façon-là, et peut-être aussi que vous aimeriez pouvoir vous libérer de rancœur, de blessures, de peurs qui vous empêchent finalement de, quelque part, de viser ce niveau-là d'épanouissement dans votre vie amoureuse. Donc peut-être que vous restez dans la tiédeur par protection ou malgré vous, mais vous demandez à notre Cupidon de stop la tiédeur. Moi je veux vivre quelque chose de profond et d'intense et de satisfaisant. Voilà. Ok, donc on va regarder ce que vous avez avec le tarot. Vous avez l'énergie du 10 de bâton. Donc voilà, je pense que vous êtes en train de dire ça fait maintenant trop longtemps que j'attends, trop longtemps que j'essaie de faire en sorte d'avoir dans ma vie un amour épanoui et moi je m'engage, je supporte des choses, je pardonne des choses, je fais des concessions
Et ben, j'ai plus envie d'avoir à faire tout ça, tout du moins sans que ce soit bénéfique et sans que l'autre soit décevant ou absent. Voilà. Donc, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en relation à l'heure actuelle, la thématique, c'est la même. Ce que vous demandez, c'est arrêter de porter votre envie d'amour comme un poids douloureux et comme quelque chose qui est effrayant, qui est stressant, qui est angoissant, qui vous fait souffrir. Peut-être aussi qui vous pousse à réfléchir, à vous poser des questions. Mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Qu'est-ce qu'il faut que je change? Qu'est-ce qui est douloureux? Qu'est-ce qu'il faut que je guérisse? Vous en avez un peu assez de tout ça. Et vous avez envie d'arriver à un stade de votre vie où vous vivez quelque chose qui est satisfaisant et où vous vous dites, ok, j'ai toujours des défis sur mon chemin, l'amour, ça s'entretient, mais ça va. Ce que je vis aujourd'hui, c'est choisi profondément de mon côté et de l'autre avec enthousiasme et c'est vécu avec joie. C'est quelque chose qu'on est heureux de vivre, heureux de partager, heureux de dire. Voilà, c'est un petit peu ça, votre demande. Et de toute façon, vous avez raison de demander ça. Maintenant, c'est vrai que souvent, quand on est dans cette dynamique-là, eh bien, il faut aller regarder ce que l'on a au niveau de nos propres peurs de l'amour pour pouvoir l'obtenir, en fait, tout simplement. Ok, allez, on va voir ce que vous avez ensuite dans votre tirage. Vous avez l'énergie du pendu, ok. Donc le pendu ici vient dire que vous avez déjà affronté pas mal de choses, vous avez déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup géré comment l'autre vous regardait, peut-être que vous avez réussi à guérir de blessures, de genre, l'autre vous dit que finalement, vous lui plaisiez pas, alors ça peut être dans le passé, hein. Et peut-être aussi que vous avez déjà en fait compris à quel point il était important de faire la différence entre l'envie de vivre un amour choisi des deux côtés et le besoin de réussir à convaincre une personne en particulier de vous aimer parce que vous avez placé vos espoirs dans cette personne. Et ça, maintenant, vous avez compris que finalement, ça ne marche pas. Ça marche pas de dire il faut que cette personne-là m'aime. Ce qui va marcher, c'est de dire il faut que moi j'arrive à me connaître, à m'apprécier telle que je suis, et il faut que j'arrête d'avoir peur d'être vue par l'autre. Il faut que j'arrête d'avoir peur que l'autre soit déçu en me connaissant. Ça, c'est important. Et puis cette énergie du pendu, pour moi, elle vient aussi dire que vous avez déjà pas mal résisté. Vous vous êtes déjà relevé de blessures amoureuses. Vous avez, vous avez été résilient. Vous avez fait preuve de force. Vous avez fait preuve de capacité à remonter la pente, etc. À recroire en l'amour. C'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté beaucoup. Et je dirais que si vous avez toujours réussi à avoir toujours cette envie d'aimer et d'être aimé, cette envie de vivre un amour profond, parce qu'ici on est sur un tirage qui parle à des personnes qui ne cherchent pas juste une petite amourette, hein. Vous cherchez quelque chose de profond, hein. Et bien, si vous avez su le faire autant, peut-être que l'étape qu'il vous reste à franchir, c'est de choisir de guérir vos propres blessures d'amour, c'est-à-dire de commencer en fait à dire il faut que moi je crois que je mérite d'être aimée et que ça arrête de dépendre de est-ce qu'il y a dans ma vie quelqu'un qui m'aime ou pas et à quel pourcentage il m'aime. C'est ça qu'il faut que l'étape qui vous reste à franchir. Mais aujourd'hui, vous êtes légitime à faire cette demande de vivre un amour épanouissant, présent, engageant, qui est choisi malgré les peurs, malgré les risques, malgré les dangers, parce que vous, malgré les blessures, malgré les peurs, malgré les risques, vous avez continué à vouloir aimer. C'est un choix qui a déjà été fait en profondeur. Maintenant, il reste à pouvoir le faire peut-être vis-à-vis de vous-même. Et à ne pas le faire dépendre de est-ce que la personne sur qui vous avez jeté votre dévolu veut vous aimer ou non. Parce que de cette manière-là, vous allez pouvoir arrêter de tomber sur des personnes qui sont. Voilà, vous avez l'as de coupe. Vous allez pouvoir arrêter de tomber sur des personnes qui sont des gens, vous savez, à qui il faudrait vendre l'amour comme étant quelque chose de bien. Mais si, je t'assure, essaye, c'est bien, tu verras. Voilà, il faut que j'arrive à te convaincre, hein, tu vas voir, c'est super. Ça, c'est le truc pesant que vous êtes légitimement en train de demander
à ce qu'il soit enlevé de votre chemin amoureux. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire, moi je veux l'amour, mais je ne veux pas quelqu'un qui est tout cassé, tout abîmé, et qui cesse au jeu de l'amour pour savoir si ça vaut le coup ou non. Moi, je veux être avec quelqu'un qui, comme moi, a décidé qu'il le voulait, malgré ce que ça peut avoir d'effrayant. Et vous avez l'énergie de l'as de coupe, donc c'est plutôt bien parce que l'as de coupe c'est une énergie qui nous parle de commencer un nouveau cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive là dans votre vie, c'est la réponse qui vous est donnée. Ouvrez-vous vous-même à avoir un autre rapport à l'amour. Ouvrez-vous à arrêter d'avoir peur de le choisir, à arrêter de voir ça comme de la faiblesse. Et de cette manière-là, vous allez vous brancher finalement sur ce que vous voulez vivre et vous allez petit à petit apprendre à apprivoiser ce choix-là. Vous allez apprendre à continuer à le faire même quand c'est moins évident, même quand c'est pas 100% sécure. Et c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir attirer à vous en face quelqu'un qui voudra la même chose que vous. Je dis pas qu'il y aura plus jamais de douleur, je dis pas que ça sera toujours évident. Mais je dis que vous vivrez en ayant fait un vrai choix. Et ce choix-là, c'est reconnaître que l'amour vaut le coup. Ben, c'est un petit peu ça la réponse qu'on vous donne. Votre Saint-Valentin, là, il vous dit « Moi, je veux bien te donner quelque chose de nouveau. C'est ok, il y a quelque chose de nouveau qui peut arriver. Mais est-ce que toi, cette fois, tu vas le vivre en n'écoutant pas la peur? Est-ce que tu vas être dans ta relation, pas en demandant à l'autre de te rassurer tous les jours sur le fait qu'il t'aime toujours, qu'il n'est pas déçu? Est-ce que tu vas vivre ta relation en la nourrissant de bonnes choses cette fois? Est-ce que tu vas bénir l'amour dans ta vie ou est-ce que tu vas toujours le craindre? Il faut que vous arriviez à répondre à cette question-là pour que les choses puissent avancer. Ah bah, elle est sortie tout de suite. Oui, c'est ça. Vous avez l'énergie du 4 de coupe. Alors ici, c'est l'énergie du 4 de coupe dans son aspect plutôt positif, c'est-à-dire rester fidèle à nos choix. Alors, entre le 4 de coupe, la carte de l'engagement, peut-être que ce tirage parle à des personnes qui sont un petit peu pas contentes parce que vous avez dans votre vie amoureuse subi pas mal de, soit de tromperies dans le sens d'être trompé, soit de tromperies dans le sens de « on vous a promis monts et merveilles » et en fait, l'autre s'est révélé avoir un petit peu enjolivé ce qu'il était, ce qu'il avait à offrir et sa capacité à s'engager amoureusement. Voilà, moi je pense qu'on s'adresse à des gens qui ont été déçus. Au début c'était beau, au début c'était merveilleux, voilà, et ensuite ça l'était beaucoup moins. Et en fait, si vous avez vécu ce genre de situation, c'est peut-être venu toucher en vous. Même si vous ne vous en êtes pas rendu compte et même si dans les faits vous disiez mais j'ai rien fait pour mériter ça, oui non c'est certain, enfin c'est pas certain mais pour beaucoup c'est le cas, mais en vous vous portiez la peur de l'amour, voilà, j'ai peur qu'on m'aime et qu'ensuite ça me fasse mal parce qu'on m'aime plus, j'ai peur qu'on me fasse croire qu'on m'aime, que j'y crois et en fait que ce soit pas vrai, j'ai peur de m'engager avec quelqu'un juste parce que je veux de l'amour et une fois que l'autre est attaché à moi de me rendre compte que c'était juste que j'avais envie de l'aimer mais que je n'aimais pas. Vous voyez, il y a toutes ces peurs-là que vous avez besoin d'aller gérer en vous. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de dépasser votre envie que l'amour soit quelque chose de super sécurisé. Parce que c'est pas le cas. L'amour, ça peut être intense et durer 2 mois, ça peut être pas très intense et durer 30 ans, et ça peut aussi être merveilleux pendant 30 ans. Il y a plein de possibilités. Mais là, ce que vous avez à faire pour que les choses puissent avancer, c'est que vous-même, vous décidiez de cultiver quelque chose de beau, qui est cette idée de... Non, en fait, c'est comme si vous sentiez inconsciemment faible de vouloir de l'amour. Comme si vous vous sentiez trop vulnérable à cause de ça. Ben, il faut lâcher ça. Il faut dépasser cette peur d'être quelqu'un d'ennuyeux ou de trop facilement critiquable parce que vous voulez choisir quelque chose de beau. Ok,
Vous avez l'énergie du 2 de coupe. Ce que vous êtes en train de vivre et ce que l'on vous propose de faire maintenant, c'est d'aller véritablement rencontrer l'autre, mais aussi de le laisser vous rencontrer. C'est intéressant parce qu'en plus vous aviez l'as de coupe et maintenant vous avez le 2 de coupe. Donc ça confirme un petit peu le premier message que vous aviez. Là vous avez quand même un Saint-Valentin qui vous dit « T'inquiète pas, ça arrive, ça avance, je vais te faire franchir des étapes sur le chemin. » Et dans ces étapes-là, ce que je vais te demander d'accepter, d'expérimenter, c'est l'intimité. C'est la profondeur du lien. Et c'est cette idée de dépasser la peur d'être déçu pour pouvoir réellement partager et donc pour pouvoir trouver quelque chose qui vaut le coup, qui est profond, une vraie complicité, un vrai échange, etc., etc. Vous êtes en train de faire l'expérience d'accepter d'apprendre à connaître l'autre et à ce que l'autre vous connaisse véritablement. Et vous êtes en train de faire l'expérience d'accepter que vous ne pouvez pas choisir qui vous aimez ni qui vous aime, mais que vous pouvez en ressentir de la gratitude quand c'est le cas et que vous pouvez également avoir de la gratitude pour le fait de ne pas être obligé de forcer quelqu'un à vous aimer ou de vous forcer à apprécier quelqu'un. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Ok, je vais regarder à quel cycle, quelle partie de quel cycle de votre vie amoureuse vous êtes. Vous avez la carte méditer et contempler. Et c'est marrant parce que vous retrouvez un petit peu ces deux poissons qui se tournent autour. Donc peut-être qu'au moment où vous regardez le tirage, vous avez déjà quelqu'un dans votre vie que vous apprenez à regarder différemment. Peut-être que vous avez envie de tomber l'armure, d'arrêter d'être en train de tester l'autre, en train de jauger l'autre, d'être en compétition avec l'autre ou avec vous-même. Vous avez envie de laisser ces peurs derrière parce que vous avez une espèce de curiosité à aller à la rencontre de l'autre. Vous n'avez plus envie de perdre votre temps. Vous avez envie de ressentir les choses et non plus d'être stratégique dans votre vie amoureuse. Vous avez vraiment cette envie de fluidité, de simplicité. C'est comme c'est, il faut que les choses soient limpides. Voilà, vous êtes vraiment dans cette énergie-là. C'est positif. C'est challengeant aussi, c'est un choix courageux, voilà, que vous faites à l'heure actuelle. Même si c'est inconscient, même si c'est pas encore tout à fait arrivé dans votre vie, c'est ce qui vient vers vous. En tout cas, vous êtes dans une étape de votre vie qui vous donne l'opportunité de choisir de vivre les choses de cette manière-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Votre corps est un temple vivant où Dieu réside. Votre mental est un temple vivant où Dieu réside. Dieu vit en vous comme la vie elle-même. La preuve qu'il vit en vous, c'est le fait même que vous soyez vivant. Votre vie en est la preuve. Dans le genre mangeage de cerveau, celle-là, elle est pas mal. Alors, vous remplacez Dieu par ce que vous voulez, l'univers, votre âme, etc., etc. Mais en gros, le message qu'il faut comprendre avec cette carte-là, c'est que vous en êtes à un stade où vous arrêtez de chercher à contrôler ce que vous n'avez pas à contrôler. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir vivre l'amour. Et je dirais aussi que vous en êtes à un stade de votre vie où vous choisissez de vous brancher à quelque chose d'épanouissant, qui est cette idée de « je veux arrêter d'avoir peur d'aimer » et « je veux aussi arrêter d'avoir peur d'être non aimé en face, parce que si j'arrête d'en avoir peur, quand ça arrive, je saurai le gérer sans m'engouffrer dans un piège, et quand en face il y aura l'amour, j'arriverai à y aller. » Voilà pour moi ce que dit ce tirage. Donc en gros, ce que vous demandez à Cupidon, ce qui vous envoie une relation où il n'y a pas la peur d'aimer, et ce que Cupidon vous dit, c'est que c'est possible, c'est accessible, ça vous est proposé parce que ça passe avant tout par un changement intérieur où vous décidez que, eh ben oui, vous prenez l'engagement de dire ben moi je choisis l'amour plutôt que la protection, la mise à distance, la relation sans sentiment, etc. Et au plus vous allez dans cette énergie là, au plus vous cultivez le fait que vous trouvez que l'amour est beau, au plus quand il est là, vous l'appréciez, vous le chouchoutez, vous le dorlotez, et au plus quand il n'est pas là, vous ne vous éternisez pas. Donc c'est plutôt chouette. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce tirage là, j'espère qu'il vous aura
permis de voir les choses un petit peu plus clairement. Je vous remercie si vous prenez le temps de liker la vidéo, la commenter, la partager, vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, tout ça est important, donc merci si vous le faites. Je vous souhaite de passer une bonne Saint-Valentin et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.